encore Bibi. Aujourd'hui, le 14 janvier. On avance, mais je suis toujours là. On commence avec la Dynamic Mobility, la numéro 1 cette fois-ci, ok, pour solliciter ce bas du corps. Open Prep, vous savez, les Open arrivent, vous avez vu, ça va être soit avec option matos, option sans matos. Comme ça, au moins, vous allez trop D aujourd'hui. 17.5, pour ceux qui se souviennent, on avait des thrusters et des DU. Donc, vous avez 10 rounds à faire. Machin. 9 thrusters à un bras. Vous alternez comme vous voulez. Ok, si vous voulez faire un bras à droite, un bras à gauche, un bras à droite, bras à droite, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire 5 à droite, 5 à gauche, les 9 sur les 10 rounds à droite, machin. Par contre, vous aurez à chaque fois l'épaule énorme. Ça va être compliqué. Mais essayez de répartir, sinon ça va plus monter. Le thruster, le dumbbell, le sac, l'haltère qui est au sol. Je viens me redresser, je descends en squat. Et lorsque je me redresse, je viens finir comme un push press. Ok, interdiction de chuter sous cet haltère. Une fois que je suis en haut, l'haltère redescend. Je l'accompagne dans son mouvement. Je redescends en squat et je l'enchaîne. Ok, ou alors je viens changer de côté. Là, on n'est pas obligé de repasser au sol style cluster. Ok, les DU. 35 à faire pour ceux qui le font en RX. Si je ne passe pas les DU, je vais faire 70 SU. Il n'y a pas de time cap. Si je viens, par exemple, à passer déjà une dizaine de DU, on essaie pourquoi pas de se forcer avec des DU et le faire, on va dire, en RX entre guillemets. Okay, sinon, venez faire les SU si c'est vraiment compliqué pour vous, c'est DU. 10 rounds à faire, 9 thrusters à un bras, 35 DU. Partagez les scores. Ciao.